Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. On a une personne qui est un peu préoccupée ici. On nous parle d'une personne, vous voyez, qui pourtant hein, est dans de bonnes énergies. Mais c'est la personne, vous voyez, qui n'arrête pas de réfléchir, qui n'arrête pas de se poser des questions. C'est la personne, vous voyez, qui voit tout simplement qu'avec toi, ben, il y a de la joie, il y a du bonheur, on passe du bon temps ensemble, c'est correct. On a une personne qui arrive en ta direction, mais c'est la personne dans ses pensées. On va regarder ce qu'il y a. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que je prends le temps de réfléchir, tu vois, avant de poser une action. Je prends le temps, tu sais, avant de décider hein, si je dois me lancer dans une situation avec quelqu'un ou pas. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est beaucoup ce qu'il y a dans sa tête en ce moment. C'est la personne qui a déjà choisi, donc qui a déjà décidé de fonctionner avec toi. Mais c'est la personne, en réalité, tu sais, qui... D'accord, c'est vrai, la personne est positive. C'est vrai, c'est vrai, c'est une belle personne. C'est vrai, on passe du bon temps, tu sais, quand on est tous les deux. Et tu sais, c'est comme une façon pour l'autre de se rassurer. C'est comme une façon pour cette personne de se dire, oui, je fais le bon choix, tu vois, en venant en ta direction. Je fais le bon choix, j'ai envie de dire, en essayant, hein, on va dire ça comme ça, de construire quelque chose avec toi. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que... C'est une personne qui avait deux possibilités. Il y avait toi et il y avait une autre personne, que tu sois un homme ou une femme. Il y avait toi et il y avait une autre personne. Le truc, c'est que c'est la personne qui a pris, tu sais, limite le temps de vous regarder tous les deux ou toutes les deux. La personne qui a vu que d'un côté, en réalité, ouais, c'est la personne en réalité avec qui ben, je devrais tout faire. Et avec toi, on a l'impression en réalité que... Ben on sait, on va dire qu'on sera bien, mais là j'ai vraiment cette impression qu'il faut construire la relation. Et puis en plus, il faut aider, tu vois, comme la personne à se reconstruire. Et c'est le genre de situation qui... Le choix, il est vite fait, quoi. On a vraiment cette impression qu'il y a une personne pourtant qui lui montre, hein, je vais te donner l'exclusivité. Je vais, j'ai envie de dire, comme, oui, je vais te laisser passer tout ce que tu veux. Je ne vais pas t'étouffer. Je ne vais pas te mettre, tu vois, comme dans une situation un peu différente. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est la personne qui essaie, tu sais, comme de mettre tout le positif en avant. Tu vois, regarde avec moi, t'auras ci, t'auras ça, et puis on sera tellement bien. Mais toi, on a vraiment cette impression que c'est juste par les moments que vous passez tous les deux que tu permets à la personne, tu vois, comme de réaliser qu'il y a une personne avec qui on peut se construire bien et une personne avec qui on risque tout le temps d'être dans les conflits, puisque c'est la personne qui veut tout le temps, j'ai envie de dire, comme te faire comprendre, en gros, que... T'inquiète pas, ça va pas changer. T'inquiète pas, il va rien t'arriver de grave. Toi, t'es pas ce genre de personne. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes des personnes totalement authentiques. Vous voyez, vous n'êtes pas le genre de personne, j'ai envie de dire, comme à vous vendre. Donc limite, je me mets en avant tous les 4 matins. T'as pas vu ma nouvelle coupe de cheveux, t'as pas vu mes nouveaux ongles, t'as pas vu mes nouvelles chaussures. Et puis il y a toi, j'ai envie de dire, dans la simplicité. Et c'est vrai que son cœur, j'ai envie de dire, ben son cœur balance, hein? Tu vois, il y a la balance qui penche de ton côté et c'est vraiment, tu sais, la personne a réfléchi, tu vois, avant de faire son choix. Hein? La personne a pris le temps, tu vois, comme de regarder aussi ce qui pouvait se passer dans les deux situations et même si dans un premier temps, je vais pas te mentir, hein, cette personne-là, elle a sorti tellement de belles choses qu'on, voilà quoi, on avait juste envie d'aller en sa direction parce que limite, c'est la personne, tu sais, qui nous promettait monts et merveilles, mais toi, t'es tout simplement, tu sais, comme la personne qui nous montre en réalité que j'ai pas besoin de te parler ou en tout cas de me mettre en avant pour te montrer, tu vois, que je suis là et que je peux t'apporter un vrai plus, tu vois, dans ta vie. Que je suis une personne, tout simplement, avec qui on peut se construire. Donc on a une personne, tu vois, qui décide d'avancer en ta direction. Et c'est la personne en réalité qui se laisse guider par ce qu'il ou elle a vu de toi. Je vois que tu es une personne positive, ok. Je vois que tu n'es pas la personne en réalité qui va me demander de sortir des sous tous les 4 matins pour lui faire ses ongles ou pour lui faire les cheveux. Ok, on avance seulement. Et j'ai vraiment cette impression que c'est beaucoup ce qui fait la différence.
On a une personne qui sollicite. Viens, on fait un voyage. Viens, on mange au resto. Viens, on fait ci. Toi, on va dire que ce que tu aimes, ce sont des moments simples, en fait. T'es pas une personne compliquée. Et c'est ce qui fait que c'est aussi agréable, tu vois, comme de passer du temps avec toi. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, c'est limite, hein. Cette personne-là, j'ai envie de dire, au début, elle n'a pas forcément, tu vois, comme. J'ai pas vraiment dit en réalité, tu vois, ce qui se passait de l'autre côté. On a l'impression que c'est la personne qui a tout gardé, tu sais, à l'intérieur. Je ne t'ai pas montré non plus que j'étais intéressée par toi. J'ai tout simplement, j'ai envie de dire, voilà, j'ai fait ta connaissance, on a fonctionné ensemble, mais la personne, elle n'a pas sorti une fois qu'elle te voulait. Elle ne t'a pas montré non plus de par ses actions bah, qu'elle te voulait. On a une personne qui a passé son temps, tu sais, comme ça, à te regarder. C'est la personne qui, en mode, j'observe, tu vois, je prends la température, je regarde ce qui se passe. Et c'est fou parce que même quand la personne, tu vois, a sorti, tu sais, bon, moi je me vois bien voyager ou je me vois bien faire ci, tu n'es pas venu t'imposer, tu vois, comme dans sa vie en te disant, voilà, moi aussi je voyage à tes côtés. Si tu veux, prends un billet, prends-moi un billet en première classe, parce que moi, classe éco, tu sais, c'est pas pour moi. On a vraiment cette sensation que tu, limite, c'est comme si tu avais souhaité à la personne bon voyage. Bah, fais un bon voyage, profite à fond, tu vois, comme de tes vacances, et puis tu me raconteras, ou limite, tu m'enverra des photos. Et c'est le genre de situation, tu sais, que c'est avec du retard en réalité, tu sais, parce que cette personne est en introspection, qu'elle a la possibilité de réaliser, tu vois, ben, tout ce que tu as pu faire pour elle. Tout ce que tu as pu lui apporter, en tout cas pour moi, pour certains, sans le réaliser, vous lui avez facilité la tâche. C'est vraiment ça. De l'autre côté, l'autre ne cessait, tu vois, comme de se poser des questions, se demander, attends, la personne, elle est là vraiment pour moi, ou elle est là pour ce que je peux lui apporter, tu vois. Et de ton côté, on a vraiment cette impression que sans savoir, tu lui as facilité les choses, puisque cette personne n'a jamais été, il faut qu'on dise les choses aussi, tu vois, la personne n'a jamais été, tu sais, dans ce genre de réflexion. Tu lui as donné la force, en fait, la force dans ses projets. La force, j'ai envie de dire, pour fonctionner avec ses enfants, la force en réalité, peut-être même, hein, pour rester debout dans les moments difficiles. Et j'ai réellement cette sensation, tu vois, que tu n'as pas été la personne en mode, ben, alors je sais que tu as eu une vie, mais bon, aujourd'hui je suis là, on écarte tous les autres, hein, c'est toi et moi, et puis non. Alors que l'autre a agi, ben, exactement comme ça. Vas-y, on écarte tout le monde, tu laisses tous les autres de côté, et puis moi je suis là maintenant, c'est moi Martine, et puis je prends toute la place, quoi, non? Toi, tu as été dans le respect, en fait. Tu es resté juste, tu es resté à ta place. Et c'est vraiment ce qui fait, en réalité, tu vois, que cette personne, elle a fini, j'ai envie de te dire, par pencher, hein, d'accord? De ton côté. J'ai réellement cette impression, vous voyez, qu'il y a quelque chose de très important qui se prépare pour cette personne, d'accord? On nous parle, voyez, comme d'un moment important. Alors, ça peut être, voilà, le projet, hein, que je travaillais depuis un petit moment, que, voilà, je décide, j'ai envie de dire, peut-être de sortir. C'est la situation où l'anniversaire, tu vois, d'un enfant, d'une personne, j'ai envie de dire, proche qui arrive, et jusqu'à maintenant, la personne, ben, écoute. J'ai pas forcément dit, tu vois, que j'étais en relation. J'ai pas forcément ébruité l'affaire, mais c'est vrai que là, maintenant que je suis positionnée, je me demande est-ce que. Parce que pour certains, même à distance, peut-être même vous connaissez même pas, tu vois, ces enfants. Et vous avez quand même, j'ai envie de dire, passé des conseils, vous avez été hyper bienveillant, et pour certains, peut-être vous les connaissez, mais. J'ai vraiment cette impression quand même, vous voyez, qu'il y avait une distance entre vous et eux. Ou en tout cas avec les personnes de la famille, tu vois, on peut voir ça au sens large. Mais il y avait toujours, tu vois, comme une certaine distance. T'es pas la personne en réalité où, voilà, tes enfants, ils m'ont même pas envoyé un message, ils m'ont même pas souri, tu vois, quand je suis arrivée. Non, 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 t'es pas le genre de personne envahissante. Non, franchement, je peux vous dire en réalité, vous voyez, que dans cette situation, vous avez été irréprochable. Dans cette situation, en réalité, ben vous avez juste montré, vous voyez, à la personne en face de vous qu'il n'y a pas de secret entre nous, en fait. Il n'y a pas de secret entre nous. Si je décide, tu vois, comme de prendre du recul, c'est que ben peut-être je suis dans ma famille, peut-être je travaille, peut-être que je fais des choses, tu vois, je prends du temps pour moi, en gros. Mais il n'y a pas eu, tu vois, comme ce genre de situation où quand t'es pas là, je bascule en direction d'un étranger ou d'une étrangère, tu vois, c'est. Non.
Je suis là, je te montre clairement ce que je fais et clairement où je vais. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'on a une personne qui a quand même une petite blessure de trahison là. Ouais. Et c'est faux parce que il y a cette blessure de trahison là, mais toi tu ne l'as pas activée ou réveillée, tu vois. Tu ne l'as pas réveillée une seule fois. On a une personne en réalité qui a peur de se faire embobiner. Donc ça veut dire d'avoir l'impression de tomber sur une belle personne et puis par la suite de réaliser que la personne, bon, écoute, elle n'était pas forcément si belle que ça, hein. Tu n'as pas réveillé une seule fois ça chez elle. Donc quand on regarde, depuis tout à l'heure, on parle, quand on regarde depuis tout à l'heure, la personne, elle n'a vu que du positif chez toi, hein. Et on a une personne, tu vois, qui s'approche. Alors là, il y a l'événement important. Je vais un peu te proposer, hein, tu vois, si tu veux participer à l'événement important. Je sais en réalité, tu vois déjà que l'action que je vais poser risque de ne pas faire plaisir à certaines personnes. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes dans l'environnement, tu sais, ça peut être l'ex, tu sais, l'ex, hein, la personne avec qui l'autre a eu des enfants. Ça peut être, tu vois, tout simplement une personne qui avait des vues sur lui ou sur elle. Parce que ici, on ne nous parle pas encore de quel type de rencontre. Oui, on nous parle de projet tout à l'heure, on nous parle d'événements importants comme d'anniversaire, de choses comme ça. Donc imagine, il y avait quelqu'un, tu vois, qui lui tournait un peu autour. Comment on va dire? Il y avait quelqu'un qui lui tournait un peu autour dans son professionnel, va du coup débarquer avec toi dans le repas d'entreprise. Écoute, la personne va faire la grimace. Mais j'ai vraiment cette impression, tu sais, que c'est la personne qui se dit non, mais non, moi j'assume seulement, hein. Ouais, j'assume parce que t'es resté pendant trop longtemps, tu sais, comme dans mes pensées. T'es resté trop longtemps, j'ai envie de dire, comme à me titiller. T'es resté trop longtemps, j'ai envie de dire, à me permettre de voir, hein. Que tu ne me forceras pas, tu vois, comme à faire les choses. On a vraiment, c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, que cette personne t'identifie comme un cadeau parce que tu ne lui as jamais rien imposé. Tu lui as pas dit à cette personne, en réalité, c'est soit tu te poses avec moi, tu vois, d'ici la semaine prochaine, ou soit je te tourne le dos. En fait, tout ce que l'autre a fait, tu n'as pas fait. Non, il faut qu'on dise les choses. Tout ce que l'autre a fait est qui peut-être dans un premier temps pouvait être hyper bien, j'ai envie de dire, interprété, parce que la personne se met en avant, la personne, j'ai envie de dire, dit des mots doux, la personne sort des choses comme ça, tu sais, pour faire siffler tes oreilles. Toi, t'as pas fait ça. Cette personne-là est à fond dans la comparaison, je ne vais pas te mentir, hein, c'est la personne qui, comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est pas la personne qui fait des choix pour faire des choix, hein. C'est pas la personne qui décide de se lancer en relation pour se lancer dans une relation, hein. Moi, je vais pas faire les choses à demi. Si je prends le temps, en réalité, tu vois, comme de m'engager à tes côtés, il faut qu'on achète un chien aussi, tu vois, il faut qu'on soit, j'ai envie de dire, bien stable partout. Je veux la personne qui veut construire. Mais je veux pas la personne qui a envie de dire qui est là pour déconstruire. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que l'autre, dans son comportement, a montré que, frère, moi, je vais mettre le bazar dans ta vie, tu vois. Du moment où je vais débarquer, il n'y aura plus, j'ai envie de dire, ta famille dans les parages, il n'y aura plus tes amis, il n'y aura plus les enfants non plus. Enfin. Non, toi, tu as été dans l'acceptation limite. Moi, si j'arrive dans ta vie, c'est je me fais une petite place, tu vois. Je ne vais pas venir et puis prendre toute ma place, toute la place, arriver avec mes gros sabots, non. Et c'est ce qui est surprenant chez toi. Tu aurais pu le faire. Puisque la personne en face, tu vois, ben, elle était là à passer du temps avec toi, mais elle n'a pas, j'ai envie de dire, montré qu'elle était intéressée. Donc, tu aurais pu, j'ai envie de dire, voilà, lui tourner le dos. Ah bon, ça fait 3 jours, tu ne m'as pas envoyé de message. J'appelle Michel seulement qui me tournait déjà autour, non? Toi, tu as continué ta vie en mode, voilà, j'avance tranquillement sur mon chemin. Pourquoi je vais me tourner vers Michel et puis Jean-Jacques en même temps? Non. Je décide tout simplement d'avancer avec toi. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est le genre de situation où c'est ce qui lui a donné envie. C'est vraiment le côté où tu n'as pas été dans des jeux malsains de jalousie, tu vois. Moi-même, Robert m'a envoyé un message. Tu vois, non, non, non. T'as fait tout le contraire de l'autre, en fait. Tout le contraire de l'autre. On a la loi. On a le blocage. On a la préoccupation. On a l'instabilité. En fait, tu t'es vraiment intéressé à la personne. En fait, tu t'es vraiment intéressé à la personne, c'est ça ton truc, hein. T'as trouvé la technique, tu t'es vraiment, tu vois, intéressé à la personne, t'as pas fait semblant.
T'as pas fait en mode je suis là pour toi, et puis tu sais, une fois que la personne a le dos tourné, c'est des doigts, tu vois, que tu lui. Non, que tu lui faisais. Non, non, non. Tu t'es vraiment préoccupé de la personne. La personne a un rendez-vous, alors comment ça s'est passé ton rendez-vous? La personne, j'ai envie de dire, a une problématique. On a l'impression que sans être en relation, ah, ça veut dire que peut-être même pour certains, ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne, puisque, bon, après, on peut avoir plein de rendez-vous, tu vois, à la semaine, mais j'ai vraiment cette impression qu'il se passe un truc dans sa vie, toi-même, t'écris seulement à la personne, comment ça va, et les enfants, tu m'as dit ton enfant était malade, telle manière et telle façon, toi, tu m'as dit ta grand-mère avait mal à la tête, en fait. Au début, ça pouvait faire peur. Je vais pas te mentir, hein. Au début ça a pu lui faire peur, tu vois, pendant quelques instants, puisque c'est la personne qui s'est dit, attends, 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 attends. Est-ce que c'est la personne en réalité, tu vois, qui fait ça par pure bienveillance, ou si c'est la personne, tu vois, qui fait ça seulement pour que, voilà, je me tourne pas dans une autre direction, en gros, parce que la personne me veut. Tu lui as montré que tu pouvais avancer avec lui ou avec elle, mais que tu pouvais aussi avancer seul. Que tu n'attendais pas, j'ai envie de dire, que quelqu'un soit à tes côtés pour te construire. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence. Je crois que ça, c'est ton atout, en fait. C'est qu'il y a un caractère, tu vois, très indépendant. S'il y a une personne à tes côtés, tu peux réellement être dans le partage. Mais s'il n'y a personne, en réalité, bah, écoute, tu ne vas pas t'empêcher d'avancer. Tu avances seulement sur ta route. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence. Ça veut dire que tu ne t'es pas empêché de vivre. Tu n'as pas mis ou. Ouais, tu n'as pas décidé, tu vois, comme de mettre ta vie de côté, limite, entre parenthèses. J'ai croisé Jean-Jacques, maintenant j'ai plus de copines, j'ai plus d'amis. Non, 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 tu as continué à faire ta vie. Donc ça veut dire que ça a été sain, tu vois, dès le départ. Dès le départ, tu as mis une dynamique très saine dans tout ça. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que la dynamique, elle a été saine. Oui. Non, je te dis ça vraiment. Et ça a pu déstabiliser, puisque quand tu as l'habitude, tu vois, de croiser des personnes un peu différentes, tu tombes sur une personne, j'ai envie de dire, la personne est saine. Tu vois, c'est pas la personne qui a du vice dans ses veines, c'est la personne qui, moi-même, je te dis bonjour, tu veux me répondre, tu me réponds, tu veux pas me répondre, tu me réponds pas, hein. T'avances seulement. J'ai réellement cette sensation, vous voyez, que c'est ce qui motive, tu sais, la personne autant à se dire, c'est bon. C'est bon, moi, je suis aujourd'hui prêt ou prête, tu sais, comme à me lancer dans une situation sentimentale. J'ai vraiment envie, en réalité, tu vois, comme de faire des pas en avant. Je me vois partir vers quelque chose de nouveau, stop à la solitude. Je veux évoluer sereinement. Non, vous avez été. Non, vous avez fait ça tout en finesse. Non, non, je ne vais pas vous mentir, peut-être aujourd'hui, là, moi-même, je te dis un truc. Si aujourd'hui tu doutes, et puis tu te dis en réalité, peut-être, j'ai pas assez dit de choses, peut-être j'aurais dû lui dire mes sentiments, peut-être j'aurais dû, voilà, mettre la robe rouge, peut-être j'aurais dû mettre mon costard vert. Non, 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 t'as bien fait. T'as bien fait en réalité, parce que tu lui as retourné la tête sans même que la personne puisse le voir. Tu lui as. Ah, t'as bien fait ça. Non, vraiment. C'est la personne qui ne faisait que, qui passait son temps, tu vois, comme à se préserver. Et on ne va pas mentir, hein, la situation, dès le départ, on nous l'a montré. Il y avait Micheline ici, toi-même, tu étais là. Et on a vraiment cette sensation, tu vois, quand on regarde les deux situations, ça veut dire que, bon, il faut qu'on dise les choses. J'ai rencontré Micheline, je t'ai rencontré. Micheline m'envoyait des messages, tu m'envoyais des messages. Moi, mais j'ai regardé à gauche, à droite. Je me dis, bon, alors, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il faut qu'on dise les choses. Hein. Ce n'était pas une personne après l'autre. La personne a fait ça en même temps, tu sais. Mais c'est la personne qui était dans un souci de why, trop en même temps, tu vois? Je dois choisir. Mais je pense que c'est ce qui a fait aussi, tu vois, que cette situation, ben. Le charme naturel, tu vois, le charme naturel de la personne, tu sais, a fait son effet, voilà, on va pas mentir, hein, tu mets deux personnes, j'ai envie de dire, dans la même pièce, une personne en réalité qui parle fort et puis une personne qui parle avec douceur, tu vas te tourner vers qui? Tu vas te tourner vers la personne qui parle avec douceur, tu vas pas te tourner vers la personne en réalité, tu vois, qui fait des scandales, la personne qui toise ta grand-mère et puis ta mère en même temps, mais non. Donc ça veut dire, non, t'es bien élevé, non, je vais dire ça comme ça. Et même si en réalité, tu vois, voilà, parce que
Ici, on nous montre, tu vois, ce que la personne a dans sa tête. Ça peut nous dire, tu vois, voilà, qu'il n'y avait que des bons moments. Peut-être que des fois, il y avait des moments où peut-être tu es parti dans tous les sens. Mais en réalité, il n'y a pas eu, j'ai envie de dire, comme de manque de respect. Tu ne m'as pas brusqué, tu ne m'as pas demandé, tu vois, le code de ma carte bleue. Tu ne m'as pas dit, j'ai envie de dire. Non, tu n'as pas fait ça, en fait. Hein. Tu ne m'as pas demandé de te payer le voyage en première classe. Toi-même, tu m'as dit, bonnes vacances. Eh bien. Donc on sent, attends, on va aller plus loin. Parce qu'on sent en réalité, tu vois, c'est la personne qui... Ah, la personne a une situation quand même. Non, pour certains, on va dire ça. La personne a une situation quand même. La personne a la possibilité. Non, on va dire ça. La personne a la possibilité, vous voyez, comme de... Moi-même, je peux t'offrir la lune. Bon, je ne sais pas comment je vais la décrocher, mais je peux t'offrir la lune seulement. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Hein? Je dis, ah bon? Offre-toi la lune toi-même, tu vois, moi-même ça ne m'intéresse pas, il y a déjà le soleil, c'est très bien, c'est pour tout le monde, et puis c'est gratuit, tu vois, c'est vraiment ça. Non, t'as bien fait ça, hein? Tout en subtilité, non, vous êtes des séducteurs et des séductrices, hein, pour certains, on voit ça, non, on voit que vous faites ça tout en finesse, oui, et ça c'est parfait, on a la cassure, on a le changement positif, aïe aïe aïe, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où... Et non, tu vas officialiser ça là seulement. Oui, non, je te dis ça. Tu vas officialiser cette relation avec la personne. La personne même va prendre de... La personne va... Ouais, la personne va faire les choses tout simplement, tu sais, pour s'engager à tes côtés. Toi, tu m'as déjà donné toutes les clés en main. Tu m'as déjà montré en réalité que tu pouvais vivre sans moi. Moi-même, j'aime pas quand on aime vivre sans moi. Tu vois, c'est... Non! La bonne posture, tu lui as fait envie parce que tu ne lui as pas tout donné, tu n'étais pas la personne. Viens, tu veux, viens, je te donne. Je te donne tout ce que j'ai chez moi, j'ai envie de dire, tout mon cœur t'appartient. Non, mon cœur t'appartient. Montre-moi, j'ai envie de dire que voilà, tu ne t'es pas sous-estimé dans la situation, tu ne t'es pas surestimé non plus. Tu as été toi-même, tu as avancé tranquillement, tu as fait ta life. Toi-même, tu n'es pas une personne à la grosse tête, tu vois, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit, c'est même si tu as conscience de ton potentiel, en réalité, tu n'es pas la personne à la grosse tête, non. Non, je te dis ça, c'est la personne fait la route, là. La personne a dit, elle va signer ça avec toi, j'espère en réalité que ça va être comme ça tout le temps, parce que je t'aime comme ça. Oui, la personne t'aime comme ça, moi-même. J'arrête de parler, tu as déjà compris, tu sais en réalité que tu as du potentiel, tu sais en réalité que tu attires les gens, tu sais en réalité que, why, hein? Tu peux avoir une posture, tu sais, peut-être déroutante hein, pour certaines personnes, mais moi je te dis, tu as bien fait, tu vois, de rester authentique. Tu as bien fait de lui montrer en réalité que moi-même, je ne vais rien t'imposer. Si tu as envie de fonctionner avec moi, tu vas fonctionner seulement. Si tu ne veux pas, eh bien écoute, tu ne fonctionnes pas avec moi, je fonctionnerai quand même. Non, t'as fait fort. Non, moi je te dis, hein, en plein dans le mille, t'as visé, tu vois, en plein dans le cœur et... Ah, ça se termine bien. Non, ça fait du bien, tu vois, ça se termine bien. Et toi-même, là, ça va te faire du bien. Non, je te dis ça vraiment. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.